Bonjour, chers élèves, avec une nouvelle vidéo où on va expliquer une nouvelle figure de style qui est la périphrase. Alors la périphrase, premièrement, c'est un procédé de reprise qu'on utilise pour éviter la répétition dans la phrase. Alors pour la définition qu'on a pu donner à la périphrase, elle remplace un mot, donc c'est une figure de remplacement. Elle remplace un mot par une expression qui le définit, qui veut dire la même chose, qui renvoie à la même idée ou bien au même mot. Et pourquoi ce remplacement? Tout simplement pour éviter la répétition dans la phrase ou bien dans le texte ou bien dans le paragraphe. Alors un simple mot est remplacé par des éléments de phrase plus complexe, par une expression ou bien par une définition. Et comme c'était fait dans les autres vidéos, on explique à travers les exemples. Alors essayons de voir le premier exemple. Autour de moi rôdaient les genoux. Là, c'est la boîte à merveilles. Autour de moi rôdaient les genoux. Virgule. Après les genoux. Sidi Mohamed a utilisé une expression qui veut dire la même chose, qui renvoie à genoux. Alors les genoux, ce sont quoi? Ce sont les démons noirs invoqués par la sorcière. Alors si par exemple on utilise juste les démons noirs, alors on va savoir que ce sont les genoux. Et vice-versa, et ainsi de suite. Alors dans cette phrase, on va dire que la figure de style exprimée, c'est une périphrase. Un deuxième exemple. La ville rouge, par exemple ici au Maroc. Alors, quelle est la ville rouge? C'est Marrakech. C'est-à-dire, lorsque je vais lire dans une phrase la ville rouge, automatiquement, ça va désigner pour moi Marrakech. Alors, c'est la même chose pour les autres villes. Donc, pour éviter la répétition, on peut dire, par exemple, au lieu de dire Casablanca, c'est possible de dire la capitale économique. Comme ça, on pourra savoir qu'il s'agit ou bien qu'on parle de Casablanca. On peut remplacer Safi par la capitale du Sardine. On peut remplacer Rabat par la capitale administrative. Et ainsi de suite. Alors la ville rouge est ma ville préférée. Un troisième exemple, le Msid. Alors c'est quoi le Msid? Une école coranique, 2 pas de la maison. 2 pas plus loin de la maison. Donc, si vous lisez dans une phrase l'école coranique, alors automatiquement vous allez savoir qu'on parle du msid. Alors, et c'est quoi le msid? C'est l'école coranique. Donc ici on a, s'il vous plaît, une expression et un mot qui veulent dire la même chose, qui renvoient à la même idée. On peut par exemple remplacer Rahma dans la boîte à merveilles, on peut la remplacer par une autre expression. On peut par exemple dire la femme de Driss Laouad. Alors c'est qui la femme de Driss Laouad? C'est Rahma. On peut dire la mère de Zineb. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on appelle, s'il vous plaît, la périphrase. C'est toujours un procédé de reprise, de remplacement, qui consiste à remplacer un mot par une expression qui veut dire la même chose. Et cela, c'est pour éviter la répétition. Alors, chers élèves, c'est la fin de notre vidéo. Je vous remercie et attendez une vidéo prochaine avec un autre ou bien une autre figure.